Bonjour frères et sœurs, comme vous avez pu voir, on a essayé de faire aujourd'hui un petit don de quelques vivres alimentaires pour aider nos frères expatriés qui vivent ici sur la rue Pujol. Là vous pouvez voir un peu toutes les denrées qu'on a pu amener. Le but, comme on avait dit, c'est de lancer un élan de solidarité et que surtout nous autres Africains puissions gérer en partie les problèmes de notre communauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le soin aux autres de venir aider les nôtres. Pendant ce temps-là, on se confine dans des conférences, on se confine chez nous devant Facebook, on ne fait quasiment rien. Alors que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi qu'on soit dans l'action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder un peu, filmer un peu pour que les gens voient toutes ces personnes-là, toutes ces personnes que vous voyez, livrées à eux-mêmes, et on laisse simplement les autres, à chaque fois, le soin de s'en occuper. Pendant ce temps-là, on se demande sur les membres de notre communauté, qu'est-ce qu'on fait? Là, où est-ce que nous autres, où est-ce qu'on est en fait? Alors voilà, nous on est venus là. Bon, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont promis de venir aujourd'hui pour amener des denrées. On est là jusqu'à 22h, là il est à peu près 18h30. Donc on est encore là pendant 3 heures. On verra au fur et à mesure du temps les personnes qui viendront et qui apporteront leur aide. Et j'espère que ce sera vraiment un truc qui va être prolongé, qui va être perpétué par d'autres après derrière, et qu'on crée réellement un lien de solidarité entre nous. C'est super important de ça. Donc merci à vous, et j'espère que d'autres vont suivre le relais, et vous transmettrez aussi le message à tous ceux qui le veulent et qui le peuvent aussi. Merci à vous, Ingeta. Patriote congoman, je suis là, je vous ai dit que vous m'aurez sur le dos, et ben voilà, je vous aurai sur le dos, même pas sur mon compte à moi tout seul, sur le compte de mon frère. Voilà, donc les amis, c'est le temps de la solidarité maintenant. On a nos frères migrants, ça fait gros tapage dernièrement dans les informations qui sont dans le besoin, ils sont ici. Et nous, Africains, il va falloir qu'on prenne nos frères en charge. Donc voilà, comme on a décidé de se prendre en charge, de prendre nos gens en charge, on s'est organisé pour se faire une collecte de nourriture et venir en soutien à nos frères. On a acheté des choses avec nos deniers à nous, on s'est donné les moyens de venir en aide à nos frères. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On s'est organisé avec nos frères et nos soeurs pour, on a pris une journée, une après-midi, un dimanche après-midi, on s'est relevé les manches et on est venu acheter de la nourriture et la ramener ici. Donc voilà. On en arrive à une chose où, voilà, notre communauté, on est comment? Est-ce qu'on va laisser longtemps encore le soin aux autres de prendre en charge nos gens à nous, sans compter les problématiques de ce qu'ils vont leur mettre dans leur tête? Parce que comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille, mais c'est le ventre plein que l'esprit chante. Mais à qui on va laisser le soin de nourrir nos populations? Moi, je vais faire juste un lien par rapport à tout ça. Vous savez, ici en France, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi des clandestins chinois. Mais les clandestins chinois, est-ce qu'on les voit ici dehors? On ne les voit pas dehors. Pourtant, il y a des sans-papiers parmi les Chinois. Il y en a plein même, plus qu'on imagine. Mais ils ne laissent pas leurs gens comme ça, comme nous on fait, nous les Noirs. Il y en a plein. Ils ne les laissent pas dehors. Donc nous, maintenant, Noirs, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Maintenant, il va falloir qu'on s'organise, qu'on prenne nos gens en charge, qu'on prenne même nos sans-papiers, parce que c'est ça le problème. Mais qu'on prenne nos gens en charge. Je n'ai pas 36 000 choses à dire, mais voilà, Africains, mettez-vous, prenez-vous en charge. Nous, voilà, ce n'est pas énorme, mais voilà, on a fait l'effort, on a fait le sacrifice de nos finances. Personne ne roule sur l'or ici, mais on a pris de nos deniers pour venir en aide à nos frères. Donc voilà, maintenant, il va falloir qu'on fasse comme les Chinois. Voilà, les Chinois, il y a des sans-papiers parmi eux, mais ils ne les laissent pas dehors, ils ne les laissent pas crever de faim, je ne sais pas. Donc voilà, nous on s'est organisé, on s'est pris en charge pour venir en aide à nos frères. Voilà, j'ai pas 36 000 choses à dire. À part que j'ai un frère et une sœur qui est venu de Belgique spécialement rien que pour ça, rien que pour le geste, pour la dynamique qu'on veut créer, une dynamique de solidarité. Ok, c'est le maître mot, solidarité. Voilà, à toi la parole. Les amis, le compatriote il a tout dit. Maintenant je veux juste rajouter un petit truc, c'est que la solidarité... C'est une démarche personnelle avant tout. On n'a pas besoin d'attendre des associations pour faire des choses. Vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire. Pensez à vos frères qui sont ici, à vos sœurs qui sont ici, qui ont traversé multiples périples pour arriver dans ce pays des droits de l'homme. Vous comprenez? Pensez à eux.
avec vos petits moyens, ramener des petites choses ici. Vous voyez, c'est bien organisé. Il y a de quoi installer des vivres pour toute la communauté qui est ici. En tout cas, on compte sur vous. Eux comptent sur vous et moi aussi je compte sur vous. C'est une démarche personnelle avant tout. Il est venu de Belgique, hein. Ben voilà. En tout cas, je vous aime. Vous êtes venu de Belgique, rien que pour ça. Vous, Français de Paris, vous n'êtes pas excusable. On est ici à la bibliothèque Vaclav Havel, pour ceux qui connaissent. Et ils ont besoin de votre aide. Alors, pensez à eux. Voilà. Hello la famille. Bon ben, c'est encore nous. Donc, ben, comme les frères l'ont dit, hein, nous sommes ici pour l'élan de solidarité. Ça fait déjà 3-4 mois que ces gens-là, même beaucoup plus longtemps que, que ces gens-là sont là, malheureusement, n'ont pas le soutien de la communauté africaine, c'est-à-dire de nous, les Africains. Et comme vous pouvez le constater, hein, sur le terrain, il y a énormément d'occidentaux, mais bon, toutes nos félicitations pour ceux-là qui ont notre combat à notre place, parce que ça, normalement, c'était à nous de le faire réaliser. Et d'organiser tout cela. Malheureusement, voilà, on s'est pris un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, aujourd'hui, les frères, nous sommes venus pour déposer quelques rations, voilà, de l'eau à boire, des denrées non périssables. Et puis, par rapport à tout ça, après le message que nous avons passé il y a quelques jours, nous tenions aussi à remercier tous les Africains qui ont fait le déplacement pour venir déposer deux trois denrées. C'est tout à fait normal et nous comptons vraiment sur vous pour pouvoir faire parler cet élan de solidarité pour la communauté, les frères et la famille. Donc on est ensemble, nous comptons sur vous et on espère très bientôt vous retrouver. Comment on appelle déjà le quartier? Dans le 19e. Rue Pajol. Rue Pajol, voilà. Donc merci à vous et à très bientôt, on est ensemble.